Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur La Voix du Réveil, votre émission qui stimule votre soif de Dieu et vous prépare à devenir ces hommes et ces femmes de réveil que Dieu désire trouver dans cette génération. Et c'est encore un plaisir pour nous de pouvoir partager ces moments avec vous. Nous voulons vraiment prendre le temps de vous remercier, vous qui êtes fidèles à notre programme, vous qui être encouragé par nos programmes, par les paroles que nous partageons avec vous. C'est pour vous que nous faisons cette émission, c'est pour vous encourager. Et donc, nous croyons que, assurément, vous qui écoutez cette parole, vous ne serez plus jamais les mêmes, parce que la parole de Dieu est vivante. Hier, nous avons parlé de l'amour et de l'importance de laisser développer l'amour de Dieu en nous, de laisser Dieu développer son amour à l'intérieur de nous. Et je crois que dans la même dynamique aujourd'hui, nous avions à cœur vraiment de continuer avec un autre passage toujours sur le travail que l'Esprit de Dieu fait sur notre caractère. Et pour cela, je vous invite à prendre vos Bibles dans Galates 5, 22, qui est un verset que beaucoup connaissent, mais très peu s'efforcent à vivre. Et tout d'abord, nous allons lire, voilà, Galates 5, 22, l'Épître aux Galates, verset 5, au chapitre 5, au verset 22, qui dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. » Verset 24. « Or ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. » Vous voyez, dans ce passage-là, encore une fois, le Seigneur nous rappelle quel est le fruit de son esprit en nous. Quel est le fruit que le travail du Saint-Esprit, que la personne du Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne qui lui appartient. Vous savez, chaque personne cultive dans son cœur des choses. Et le fruit qui sort de cette cultivation de nos cœurs dépend entièrement de la nature de l'esprit qu'il y a derrière. Lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui habite dans nos cœurs, le fruit ne doit jamais être différent de ce que nous venons de mentionner ici. La Bible dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Hier, on a parlé de l'amour. Ce n'est pas le fruit de nos propres efforts, l'amour. Ce n'est pas le fruit de nos propres émotions. Ce n'est pas le fruit même de notre propre décision. Nous devons déjà laisser le Saint-Esprit faire sa demeure en nous. Au moment où nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur, au moment où nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés à cette nouvelle vie en Jésus-Christ, lorsque nous l'avons accepté, lorsque nous avons cru et que nous lui avons donné nos vies, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu habiter à l'intérieur de nous. Et le fruit de cet Esprit qui est venu habiter à l'intérieur de nous, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est l'amabilité, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. En d'autres termes, à partir du moment où l'Esprit de Dieu est venu en nous, ces choses-là doivent abonder dans nos cœurs. Bien sûr, ça ne sera jamais parfait parce que sur terre, rien n'est parfait. Il y aura toujours des luttes à l'intérieur de nous, mais nous devons progresser dans ces choses-là. L'amour, la joie, quelqu'un qui est en Christ, qui a le Seigneur, doit être dans la joie. Parce que c'est sa nature, c'est la nature de l'Esprit de Dieu qui l'anime. C'est la paix.
N'est-ce pas que la Bible dit que Jésus nous a donné la paix? Le monde ne peut pas donner la paix. Il n'y a que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ qui peut nous donner la paix. Et ces choses-là, nous devons les cultiver. Qui dit fruit, dit que ça doit pousser, ça doit venir de quelque part. Et nous avons dit dans les précédents podcasts que avant-hier, sur l'importance de bâtir sa vie sur le roc, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. La parole de Dieu est une semence. Et cette semence produit un fruit à la longue, produit un fruit à long terme. Lorsque je sème une graine dans la terre, si j'ai un jardin, je sème une graine dans mon potager, je ne dois pas m'attendre à voir le fruit sortir du jour au lendemain. Ça met parfois du temps. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous décourager lorsque vous sentez que certains traits de caractère ont du mal à se manifester encore. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la semence. Ça ne veut pas dire que la parole de Dieu ne fait pas son travail. Mais c'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas un travail un jour sur deux. C'est un travail de tous les jours. Lorsque quelqu'un sème des graines, il doit arroser ces graines-là. Il doit les protéger des intempéries. Il doit veiller à ce que rien ne vienne étouffer les graines autour. C'est le travail du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Mais nous aussi, nous avons notre part à faire. C'est de cultiver sa présence. C'est de cultiver sa parole. C'est la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous voyez, l'Esprit de Dieu travaille en nous pour que ces choses-là soient manifestes. Et le monde fera tout pour que le contraire se manifeste à l'intérieur de vous. Le monde ne nous apprend pas à aimer. Le monde nous apprend à vivre selon nos propres désirs. Le monde ne nous apprend pas à être dans la joie. Il ne peut pas nous apprendre à être dans la joie parce que toutes ces informations qu'on reçoit constamment... Comment être dans la joie, humainement parlant? Ce monde ne peut pas donner la paix, Jésus l'a dit. Il a dit, moi je vous donne la paix. Pas la paix que le monde vous donne, une soi-disant paix, mais elle est éphémère, elle ne tient sur rien du tout. La patience, le monde nous apprend. Quand je parle du monde, je parle du système de pensée, du monde dont la Bible parle, qui est totalement contraire à la parole de Dieu. La patience. Le monde ne nous apprend pas à être patient. Le monde nous dit, il faut avoir tout et tout de suite. Et je dois tout faire pour avoir tout et tout de suite. Et si je n'ai pas tout et tout de suite, j'ai échoué. Mais la Bible dit, le fruit de l'esprit, un des fruits de l'esprit, une des caractéristiques des fruits de l'esprit, c'est la patience. La douceur. Le monde ne nous apprend pas à être doux. Le monde nous apprend à être violent. Parce que le monde dans lequel on vit est violent. Nous devons chacun se battre pour sa part, etc., etc. Mais en même temps, le Saint-Esprit vient travailler son caractère à l'intérieur de nous, le caractère de Christ. Souvenez-vous qu'il a dit, vous êtes dans ce monde-là, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes du royaume de Dieu, vous appartenez à un autre régime. Et vous savez... Tout est éphémère ici-bas. Mais ce que nous lisons là ce matin, Galates 5, 22, ce caractère, il va jusque dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, il y a l'amour. Dans l'éternité, avec Jésus-Christ, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la douceur, il y a la maîtrise de soi. On pourrait tellement... parler de chaque aspect, prendre des heures pour voir si tel aspect du fruit de l'esprit est manifesté en moi et là où il manque encore d'être manifesté. Chacun d'entre nous, nous sommes concernés. Vous savez, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas des nouvelles révélations, des enseignements compliqués. Ce que nous avons besoin, c'est de revenir à la parole, à la pure parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous savez, un jour, nous devrons rendre des comptes devant Dieu. Un jour, nous quitterons cette terre tous, autant que nous sommes. Ceux qui étaient là il y a 100 ans sont tous partis quasiment de la terre.
Aujourd'hui, nous sommes là et dans 100 ans, si le Seigneur n'est pas revenu avant, il y aura d'autres personnes après nous. Mais nous devrons rendre des comptes et c'est sur la base de ces traits de caractère-là que nous serons jugés. Est-ce que tu as manifesté l'amour? Le Saint-Esprit, et tu as eu le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, mais est-ce que tu l'as laissé développer le fruit, son fruit à l'intérieur de toi? Et au verset 24, il dit « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. » Vous voyez, il est en train de nous dire que l'homme livré à lui-même, ou encore l'homme livré à ses mauvais désirs, ou l'homme qui vit selon sa propre convoitise, en Jésus-Christ, la Bible dit que cet homme-là a été crucifié. Voilà la croix, l'œuvre de la croix. Lorsque quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu veut s'élever à l'intérieur de nous, nous devons nous rappeler qu'il existe un endroit où notre délivrance a eu lieu. Et cet endroit, c'est la croix. La croix, Jésus l'a connue à notre place. Mais lorsque nous avons cru, nous nous sommes identifiés à lui, la Bible dit, et que nous étions aussi sur cette croix avec lui, en train de mourir au péché. Et pour devenir une nouvelle personne en lui lors de sa résurrection. Souvenons-nous de cette croix. Alors que le monde, et même le monde chrétien, est là à utiliser la croix pour ses propres intérêts, pour les intérêts de la chair, pour les intérêts de leur ventre, pour les intérêts de leur compte en banque. Beaucoup de gens sont comme ça. Il ne doit pas en être ainsi de vous, bien-aimés. La croix de Jésus-Christ est là pour vous rendre semblable à son image. J'aimerais vous inviter encore à vous abandonner à la croix ce matin. Je ne sais pas combien de personnes vont écouter ce message, mais je prie que les personnes qui devaient l'écouter l'écoutent et viennent véritablement à la croix trouver cette paix, trouver le fruit de l'esprit que ce monde ne peut donner. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout est mauvais dans ce monde. Il faut pas comprendre ce que je dis comme étant... Quand je parle du monde, je parle du système de pensée. Bien sûr que dans le monde, il y a des bonnes choses, il y a des bons moments, nous pouvons passer des bons moments. Mais en réalité, sans le Seigneur, dans notre cœur, ces moments-là sont vains. Et j'aimerais vous inviter à la croix aujourd'hui. À venir à la croix, vous humilier, passer du temps dans sa présence, crucifier vos passions et vos désirs qui vous éloignent de Dieu, de l'amour de Dieu, qui vous font du mal. Et ces passions et ces désirs, ils sont décrits quelques versets avant, dans Galates 5, à partir du verset 19, il dit « On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. » Vous voyez, l'homme livré à lui-même dont on parlait. Elle se manifeste où? Dans l'immoralité, dans l'impureté, dans le vice, dans le culte des idoles, dans la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en parties et en groupes opposés. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant comme je l'ai déjà fait. Ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit-Saint produit, je le relis, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La croix de Jésus-Christ peut vous délivrer de toutes ces passions charnelles qui sont contraires à la volonté de Dieu et qui ne font que vous éloigner un peu plus de sa présence tous les jours. Mais si vous tournez vos yeux vers Jésus encore et vous lui dites « Viens dans mon cœur », et ce n'est pas une question de « ça fait longtemps que j'ai fait cette prière déjà », non, tous les jours, nous devons revenir à la croix et dire « Seigneur, sonde mon cœur, enlève tout ce qui n'est pas de toi. »
Et durant ces temps de confinement, j'aimerais inviter quelqu'un à tourner son cœur vers le Seigneur. Celui qui donne véritablement la paix, celui qui donne véritablement la joie, celui qui donne la vie éternelle. Seigneur, j'aimerais prier maintenant pour nos chers auditeurs. Seigneur, que tu puisses tourner le cœur de chacun d'entre eux vers toi et vers la croix, et qu'ils puissent te recevoir. S'ils ne savent pas comment faire, qu'ils puissent se tourner vers quelqu'un peut-être qui connaît, qui sait comment faire, ou nous contacter tout simplement. Seigneur, je prie que tu fasses revenir les cœurs à toi, Seigneur. Un cœur après l'autre, à toi. Seigneur, merci pour le fruit de l'esprit que tu développes à l'intérieur de nous. Ces choses-là ne sont pas pour ceux qui veulent juste les choses spectaculaires, mais ce sont des enseignements pour ceux qui désirent grandir, pour ceux qui désirent te plaire. Seigneur, ta parole, elle est vivante, elle est permanente, elle est efficace, et nous la recevons dans notre cœur encore. Nous sommes lavés par ton sang, et nous abandonnons notre vaine manière de vivre, et nous embrassons le caractère de Jésus-Christ à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit, qui se manifeste dans Galates 5:22. Seigneur, merci pour mes bien-aimés, bénis-les abondamment, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, vous qui avez décidé vraiment de faire cette prière sincèrement, soyez dans la paix, recevez-le, il est dans votre cœur. Il est là, maintenant, cultivez cette présence. Cultivez, soyez des hommes et des femmes différents. Pourquoi ? Parce que vous avez un esprit différent. Vous avez le Saint-Esprit. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain pour le dernier podcast audio de la semaine. Nous avons sorti quelques vidéos aussi. Nous invitons à les regarder. En attendant, n'hésitez pas à nous écrire sur lerevivaliste.contact@gmail.com. Pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, sinon sur Facebook, sur Instagram, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube afin de recevoir les notifications lorsque des nouveaux programmes sortent. N'hésitez pas à partager avec vos proches aussi. Si cela vous a fait du bien, ça peut faire du bien à quelqu'un. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, passez une excellente journée dans le fruit de l'esprit, dans l'amour, dans la joie, etc. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bye bye.